Hey, salutations les visiteurs du futur, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, cette semaine, c'est de nouveau la construction de la DeLorean Time Machine. Et on a reçu du lourd. Pour les numéros 59 à 64, on a reçu de gros colis. Plusieurs d'ailleurs. Vous pouvez le constater. Ainsi qu'un nouveau classeur. Bon, c'est exactement les mêmes, hein, comme d'habitude. Donc, on ne va pas traîner. C'est parti. Ben où ça? Ben vers le futur, banane. Le numéro 59. D'autres pièces pour l'arrière de l'habitacle de la DeLorean, ainsi que des premières LED de couleur verte, il me semble. Je discutais dernièrement avec un ami qui me disait que faut te méfier un petit peu de la qualité des soudures des câbles. Regardez le fil. Vert et blanc, c'est pas très visible, mais voilà, c'est bof bof de fois, c'est vrai. De nouveau des beaux petits tuyaux noirs, ça faisait longtemps. Alors cette petite pièce qui est présente dans l'habitacle niveau de l'arrière du passager, je me suis toujours demandé ce que c'était. Ça a toujours ressemblé à une espèce de ventilateur, mais je ne pense pas que c'est ça. Donc je vais peut-être apprendre ici ce que c'est dans le fascicule, on verra bien. Il y a beaucoup d'étapes, il y a exactement 42 étapes dans ce numéro. On fixe le plancher au châssis de la DeLorean. Je vais néanmoins être très vigilant à cette étape pour voir si je saurais de nouveau raccorder les câbles manquants, hein, puisque je vous avais dit la dernière fois dans la dernière vidéo du montage de la DeLorean que j'avais reçu 3 câbles cassés et que Eagle Moss doit me renvoyer. Je le ferai dès que je le réceptionnerai, ce numéro, à savoir le 56. Et je comprends que cette fois-ci, il n'y a pas grand-chose sur la trilogie dans le fascicule, puisque déjà 42 étapes, ça fait ouais, pas mal de feuilles. Donc on a une feuille sur la promenade des deux pins. Eh bien, on va voir ce que ça va donner, tout ça. De nouveau un petit câble souple ici qui passe en dessous du tuyau doré du convecteur temporel. Bien voilà la partie arrière complète, car l'étape d'après c'est justement la fixer sur l'habitacle. Donc voilà quelques tuyaux un peu placés par-ci par-là. Derrière des LED extrêmement fragiles qui ont du mal à rester en place. Un petit câble ici au-dessous noir, juste de décoration, qui a du mal à rester en place aussi. Donc c'est très fragile. C'est beau, mais c'est très fragile. Alors, branchement du fil numéro 16, ensuite le fil numéro 15. Ici, différentes étapes de raccordement de câbles factices pour ceux-ci et ceux-là, bien sûr. Ici, dans les box noires prévues à cet effet, ainsi que, je vous l'expliquais, le raccordement de toutes les cosses qui restaient sous la plaquette électronique. Donc j'arrive à une étape un peu embêtante car je dois fixer maintenant l'habitacle au châssis définitivement, et si je le fais, je ne pourrai plus aller remettre les câbles ici en dessous. Donc il y a des parties que je ne vais pas fixer. Et alors on continue avec le numéro 60. Celui-là il est emballé un peu spécialement.
Parce qu'apparemment, c'est des pièces en cours de carrosserie, enfin de châssis plutôt. Cette vidéo commence à ressembler à un petit unboxing. Je dis ça, je ne dis rien. On va recevoir un nouveau tournevis dans ce colis. Un nouveau tournevis. Avec très attention, il y a deux petits ressorts. La partie finale du châssis de la DeLorean qui fait encore son poids. Griff Park. Pour la poursuite spectaculaire à la fin de Retour vers le futur 2, l'équipe se rendit à nouveau sur un site célèbre. Chose vraiment importante, je peux continuer le montage de cette vidéo sans problème car on travaille uniquement sur cette pièce, cette nouvelle pièce du châssis et non pas sur la partie déjà existante. Ce qui est une bonne chose, ça me permet de continuer la vidéo. C'est la première fois dans une vidéo qu'on me demande de démonter quelque chose pour commencer une étape de la construction. Des barres de conditionnement. Voilà, c'est un numéro rapide encore ceci. Hein. Alors le 61. Encore un élément de châssis. Et bien avec ces deux nouveaux éléments de châssis qu'on vient d'avoir dans ces deux derniers numéros, la DeLorean elle va encore prendre fameusement du poids. Le fascicule. Une question de perspective. Les coulisses de la poursuite spectaculaire de Retour vers le futur 2, durant laquelle Marty, sur son hoverboard, fait face à Biff au volant de sa Ford, dans le tunnel. Petite anecdote aussi que je connais, et dont on ne parle pas ici, je ne pense pas non. Dans le tunnel, lorsque Marty tente d'échapper à Biff, au moment où Biff appuie plusieurs fois sur son accélérateur pour redémarrer, au moment où il lâche le frein et qu'il accélère, on voit la roue qui fait un burn-out et on voit dans l'enjoliveur chromé de cette roue l'équipe technique qui filme justement le plan. Donc c'est façon miroir quoi. C'est un petit détail. Vous ferez peut-être attention à ce détail justement lorsque vous regarderez de nouveau Retour vers le futur 2. Et c'est cadeau, ouais. Ça coûte pas cher. C'est gratuit. Ce fameux tableau noir de Doc, on ne le voit pas bien. Mais en bas à droite du tableau de Doc, il y a une petite anecdote aussi. Dangerous Bob, le Prop Master, a donné son nom justement sur ce tableau. Il a écrit son nom à la craie. Comme il l'avait fait sur le lycée de Marty au début du premier film. Donc on continue à démonter. Structure. De nouveau des barres à démonter. Le nouveau tournevis qu'on a reçu dans le numéro précédent, c'est le plus gros de tous jusque maintenant. Voilà, trois pièces assemblées en une avec un petit ressort au milieu. Je me demande si ce sera pas pour fermer le capot, ça. Normalement, non, le capot s'ouvre comme ça, donc je... On verra, on verra. Assemblage des deux parties de châssis reçues dernièrement. Rien que ces deux-là, c'est déjà méga lourd, quoi. Mais je ne me plains pas. Voilà de nouveau deux parties de châssis assemblées ensemble et qui font leur poids de nouveau. Un numéro rapide. Numéro 62. Le pare-brise. Tiens, on a un pare-brise et on a un rétroviseur aussi. Le
rétroviseur avec aussi une partie ici autocollante style effet miroir. Et rétroviseur. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait un rétroviseur sur la DeLorean, moi. Je crois qu'il n'y en a pas, en fait. C'est étrange, il va falloir que je fasse des recherches. Bizarre, bizarre. Je peux me tromper, bien sûr, mais je suis pas très content de la qualité du vu. De la réception du de la vitre. Hein. Je sais pas si vous verrez grand-chose, mais elle est un peu griffée, quoi. Ouais, vous ne verrez pas grand-chose. Enfin, il y a des taches un peu partout ici, et ça ne part pas, c'est sur des griffes. C'est pas très professionnel, ça. Si je faisais descendre un petit peu la barre de qualité, parce que en l'espace de deux vidéos, j'ai des pièces qui sont défectueuses. Bon, celles-là, elles peuvent encore être placées, c'est pas la question, mais quand même, quoi. Je sais pas comment est-ce que j'aurais pu s'abîmer là-dedans. Elles ont été abîmées avant d'être mises là-dedans, ça c'est sûr. Je vais voir si je sais les rattraper. Bon, ça va être un numéro rapide, hein, ça aussi. 6 pieds sous terre. Même si Retour vers le futur 2 était presque fini, il restait quelques scènes importantes à filmer au studio comme en extérieur. Le regretté George McFly. Oui, oui, oui. Bon, continue. Alors l'étape où je vis ce morceau de plastique transparent, je préfère vous dire que j'y vais très doucement parce que j'ai pas envie de casser le pare-brise. Même s'il est déjà griffé. Le rétroviseur que je ne sais toujours pas si c'est fidèle ou pas. Je me dis, l'avoir c'est pas plus mal. Hein. Moi, j'ai pris 5 minutes pour recoller quelques petites pièces, notamment le rétroviseur car il ne tenait pas. Le numéro 62 fini, fut rapide aussi. Numéro 63, avec le capot de la DeLorean. Et on remarque, chose importante, qu'il n'y a pas la trappe à essence. Parce que ça aussi, dans les répliques de DeLorean, on voit souvent la trappe à essence qui s'ouvre au niveau du capot, alors que le modèle de DeLorean utilisé pour Retour le futur, c'était le modèle de 81, donc avec cette option qui n'existait pas encore, qui n'était pas présente du moins. À savoir, pour faire les pleins d'essence sur une DeLorean, il faut ouvrir le capot. On le verra pas encore ici dans le châssis, mais à mon avis, quand on aura la partie plastique du coffre, ça se verra. De main et de maître, illustrateur d'affiche. Le dessinateur Drew Struzan, qui avait imaginé l'affiche de Retour vers le futur, fit de nouveau des merveilles pour le deuxième opus de la trilogie. Et là, je fais un clin d'œil à Jordan Semper parce que je sais qu'il adore le travail de cet homme-là.
Donc, c'est lui qui a dessiné, donc Monsieur Droustruzan, les fameuses affiches de Retour vers le futur. Curieux de lire cet article quand j'aurai un peu plus de temps. Et je suis content qu'on en parle. Elijah Wood. Vous savez pas non qui c'est? Bah si, vous devez savoir, ça se sait maintenant. C'est le petit gamin qui se retrouve devant la borne d'arcade quand Marty fait une petite partie de Wagon Man. Vous savez, il faut se servir de ses mains, c'est fait pour les bébés, c'est un jouet. C'était lui. Mais bon, beaucoup de gens le savent maintenant, c'est plutôt le mot secret. On a deux petites minuscules charnières pour le capot. Et voilà, le capot terminé avec ses deux charnières et ses bras pour l'ouverture du capot. On va passer au dernier numéro de cette vidéo. Le numéro 64. Numéro 64 qui lui aussi sera rapide à monter. Un petit câble. Le support pour mettre sous le capot. Déluge final. Toujours sur Retour vers le futur 2, journal de prod donc, avec l'éclair qui frappe la DeLorean. Et Joe Flaherty, l'employé du Western Union. Le comique Joe Flaherty eut un petit rôle dans Retour vers le futur 2, mais il n'en était pas moins important. Et donc c'est parti pour cette dernière partie de cette vidéo. Bon, je vous parlais de la trappe d'essence. On ne la voit pas encore, mais c'est vraiment la partie qui se trouve aux alentours de cette partie du capot. Dans le prochain numéro de la prochaine vidéo, justement, je pense qu'on le verra. Oui, on le verra. Donc, l'intérieur du capot comporte aussi une petite loupiote. Petite veilleuse, c'est pas mal. Et le capot qui se construit petit à petit, a l'air de rien. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin, et franchement c'était sympa, sympa à construire cette semaine, vraiment. On peut dire que la DeLorean prend beaucoup plus de place depuis cette vidéo. Donc on a de nouveau un châssis, hein, donc qui ne va pas aider non plus à rendre la DeLorean plus légère. Rien que cette partie-ci, la nouvelle est déjà lourde. Rien moins lourde que celle-là, mais déjà pas mal aussi. Et ça commence à prendre forme, hein, comme on dit. Hein. Donc voilà, une partie qui m'a plutôt satisfait. J'ai donc hâte de continuer la DeLorean de Eagle Moss. A plus, vers le futur. Vers le futur, tu es sûr? Oui, vers le futur.
mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Et ne te retiens pas avec les commentaires, à moins que tu préfères que les gens disent que tu es une mauviette. Stefano, che coglione!